pas ce lac est bien rose et ce lieu existe réellement sur notre belle planète. Il est situé sur Middle Island, la plus grande île de l'archipel de la Recherche, au sud de l'Australie. C'est un spectacle presque surréaliste, ce lac rose borde les eaux bleu foncé de l'océan Indien, avec cette bande de forêt verdoyante qui sert de barrière. Il fait 600 mètres de longueur et 200 mètres de large. Il est célèbre dans le monde entier par sa pigmentation inhabituelle et permanente de son eau en couleur rose. Oui, parce que même quand l'eau est versée dans un récipient, sa couleur reste la même. En fait, ce lac est hyper salin, avec 340 grammes de sel par litre d'eau. C'est 8 fois plus salé que l'eau de l'océan environnant. Les scientifiques ont d'abord émis l'hypothèse que la couleur de l'eau était due à des bactéries qui vivent dans la croûte de sel. Mais une nouvelle étude attribue la couleur inhabituelle de ce lac à une combinaison de microbes. Deux exactement qui donneraient à l'eau cette couleur rose, le Salinibacter ruber et la Dunaliella salina. Et les conditions de salinité extrême de l'eau du lac permettent une plus grande durabilité microbienne. Je vous rassure, ce lac n'a aucun effet nocif connu sur les humains et aucune toxicité en cas d'ingestion. Oui, on peut même nager dans ces eaux sans risquer quoi que ce soit. Et si tu veux plus d'infos météo, climat, environnement, n'hésite pas à t'abonner.